En fait, c'est mon père qui m'a parlé il y a très longtemps sur Monsanto. Et c'est à travers lui que je me suis dit, bon, elle est très intéressante, cette histoire des fermiers qui se font poursuivre en justice. Donc j'ai commencé à chercher un peu, voir qu'est-ce qu'il y a de plus. Et c'est là où je me rends compte de l'immensité de cette histoire. Et lui, il écrit à la fin de mon bouquin, il a écrit un texte, et un texte, seulement cette première partie déjà vous dit un peu, et ayant fait fortune en temps de guerre, Monsanto. Voilà, et c'est un texte que j'aime beaucoup et qui explique bien un peu l'idée de ce travail et surtout qui explique bien Monsanto. Pendant 5 ans, j'ai fait toute une collection, j'ai acheté des pages avec des pubs de Monsanto des années 40 jusqu'aux années 80. Et c'est une façon un peu de que Monsanto parle de eux-mêmes. Ça montre aussi cette vision de Monsanto qui essaye de nous vendre le futur. Ils ont fait cette maison à Disneyland, en Californie, pour montrer voilà, la technologie, le futur. Ils vendaient le futur. J'ai photographié un village qui s'appelle Anniston, qui a été complètement contaminé par Monsanto. Et cette maison, c'est une maison qui a été contaminée, toute la terre autour. Donc les gens, ils ont dû quitter la maison. Et voilà, c'est un peu la maison du futur aujourd'hui. J'ai imprimé cette image en noir et blanc. Et après, avec un pinceau et des acryliques, j'ai peint. Beaucoup de gens à Anniston, des gens qui ont aujourd'hui 80 ans, 70 ans, ils me parlaient de quand ils étaient petits, ils s'est baignés dans cette rivière et qu'ils s'est rappelé que cette rivière devenait rouge. Donc pour moi, c'est un fait qu'ils s'est baigné dans ces rivières, c'est un fait qu'ils se sont contaminés quand ils étaient tout petits dans ces rivières. Mais par contre, le souvenir n'est pas un fait. Le souvenir a peu changé avec le temps. Le souvenir, est-ce que la rivière était rouge vraiment? Et c'est un peu un rêve, c'est une idée qu'on a dans la tête qui change avec le temps et on ne sait pas vraiment si c'est factuel ou non. Quand j'étais là-bas, les gens que j'ai photographiés, une maison après l'autre, il y avait un cas de cancer. Mais aussi avec les enfants, des vétérans de guerre américains, ça veut dire des soldats américains qui ont utilisé l'agent orange d'une façon ou d'une autre pour les stocker, pour les charger dans les avions. Ils se sont contaminés et après, en rentrant aux États-Unis, une fois la guerre était finie, ou leur service était fini, ils ont eu d'enfants, par exemple. Et ici, on peut voir Heather, la fille d'un vétéran de Vietnam, un vétéran américain, et on peut voir, voilà, les malformations et sur les doigts aussi, elle est née sans une jambe. Là, il y a une photo d'elle quand elle était petite. Donc on peut voir comment cet agent orange, là, cette dioxine, et fonctionne au niveau génétique. Ça veut dire que ça continue des générations et générations. Et le meilleur exemple, c'est voir au Vietnam. Et j'étais là pour photographier les enfants qui ont été victimes de l'agent orange et des enfants que c'est la troisième génération. Leurs grands-parents, troisième, peut-être quatrième, leurs grands-parents ont été contaminés avec l'agent orange. Aujourd'hui, il y a encore des traces, et bien sûr au niveau écologique, de l'eau, l'air, la terre. Et c'est vraiment un désastre au Vietnam, écologique, mais aussi et surtout les gens. Le Roundup, c'est un herbicide, donc ça vous rappelle un peu l'histoire du défoliant de l'agent orange. Bien sûr, ils ont enlevé la dioxine, mais quand même, c'est un produit qui a un héritage, et un héritage de l'agent orange. Oui, donc voilà, cette photo, je l'ai prise donc en CG en 2012. Et en fait, il me fallait représenter l'aspect politique de Monsanto. Et cette photo, c'est un très bon exemple d'une ville qu'ils ont complètement pris politiquement
pour pouvoir faire un peu ce qu'ils voulaient, changer les lois. Et c'est un des sites les plus contaminés aux États-Unis. Donc, je suis arrivé dans cet endroit. Et en fait, j'ai conduit pendant 2 jours et demi, 3 jours de New York jusqu'à Saint-Louis. Et voilà, c'était un voyage assez long. Mais j'allais photographier deux choses différentes. Une ici, à Sauget, bien sûr, et aussi à Esturgeon, que c'est à quelques centaines de miles plus loin. Donc je suis arrivé là. Et un des trucs intéressants, aux États-Unis, il y a un peu cette ambiance et parano des photographes, qu'est-ce qu'ils photographient. Et c'est quand même une zone assez industrielle. Il y a beaucoup des compagnies chimiques qui produisent et de la chimie, des produits chimiques. Donc moi je me suis dit, bon, je vais rester 3 jours là en train de faire des photos. En fait, j'ai été direct voir la préfecture de police et les dire que j'allais être là pendant 3 jours pour photographier. Donc comme ça, voilà, ils savent que je suis là. J'ai demandé qu'est-ce que je peux, qu'est-ce que je ne peux pas photographier. Donc ça donne aussi une idée de comment je travaille. C'est toujours, et voilà, je ne fais pas les choses en cachette, je ne fais pas des images, même les portraits que je prends, c'est des gens qui savent très bien que je photographie. Donc voilà, j'essaye toujours d'être très clair, et surtout avec les gens que je travaille, et être sûr que je peux photographier dans les sites que je photographie. Et ça aussi, c'est parce que je photographie avec une chambre, ça veut dire un format 4-5, c'est des grands appareils photo qui prennent beaucoup de temps, on prend beaucoup de temps pour faire la photo. Donc voilà, je ne peux pas simplement prendre une photo et partir. Bandrune et Indiana, et aussi un très très long voyage. Et j'avais parti cette fois dans le Midwest américain pendant une semaine et demie pour photographier donc et la partie qui parle de l'agro-industrie. Et surtout des semences, les poursuites en justice de Monsanto avec les fermiers. Donc il me fallait une image pour montrer quand même le maïs. Le maïs, c'est 80% et des maïs aux États-Unis, c'est génétiquement modifié. Donc c'était quand même important d'avoir un portrait d'un maïs. Le problème que j'avais, c'est que Et c'est assez difficile parce que bon, on a un maïs, mais derrière il y a tellement d'informations qu'on perd un peu et ça ne devient pas un portrait, ça devient une photo d'un paysage et il me fallait vraiment un portrait. Donc je me suis dit, mais il faut l'isoler, il faut le mettre à part, mais quand même qu'il reste dans son milieu. Donc j'étais dans un magasin qui vend des trucs pour les bureaux, pour de la papier-terrie, tout ça. Et j'ai acheté un carton-plume. J'ai acheté 2 cartons-plumes, en fait, un noir et un blanc, et pour essayer de voir quel marchait le mieux. Et voilà, et en fait, c'est parfait. On peut voir quand même le champ derrière. On a le contexte de où elle est prise, mais on isole vraiment, vraiment le maïs. Et en plus, j'ai laissé à toute cette structure du pied pour avoir aussi une sensation de laboratoire. Et c'est, voilà, comme ça, j'ai un peu les deux. Et j'ai cette feeling de labo et studio, enquête. Et aussi, on peut voir quand même qu'il a été pris dehors. On me demande, voilà, quelles sont mes influences, quel photographe, et j'ai... Il y a une longue liste, c'est pas seulement des gens qui font des documentaires, mais aussi il y a des photojournalistes, des photos plus artistiques. Donc la liste est longue, mais je pourrais parler d'un cas en particulier, c'est Eugene Smith. J'aime beaucoup son travail, et surtout, il y a un travail qui est proche dans le sens du sujet. Bien sûr, j'essaye pas de me mettre au même niveau que Eugene Smith, mais le travail qu'il a fait à Miyamata, le travail de contamination,
Et il a souffert personnellement des attaques de la corporation qu'il a photographiée. Donc voilà, si on peut parler d'un travail que j'aime beaucoup, qui m'inspire, qui m'inspirait, c'est lui, c'est son travail aussi, bien sûr, Country Doctor, qui c'est un des grands essais photographiques j'aime beaucoup. Spécialement, il y a Marie-Monique Robin. C'est une journaliste française qui a fait un documentaire et surtout elle a fait un livre et qui s'appelle Le Monde selon Monsanto. Et ça a été un livre très important pour moi, un documentaire très important pour moi et lequel je me suis beaucoup inspiré. Donc cette année, voilà, je me trouve ici aux Rencontres. Ce qui est important à dire, c'est qu'une expo ici aux Rencontres ouvre beaucoup de portes. Après, cette expo, il va continuer à tourner. Et je crois que jusqu'au 2019, on a des expos dans des petits espaces, mais aussi dans des grands musées, dans des festivals. Et c'est l'idée. L'idée de ce travail, c'est qu'il soit montré et que les gens ils connaissent l'histoire de Monsanto. Donc voilà, c'est ça l'importance de pouvoir exposer dans un festival comme les Rencontres.